pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 2 de la série J'essaye de mieux choper. Pour ce deuxième épisode, déjà si t'as pas vu le premier, vas-y. Mais si tu l'as vu, alors tu sais que j'ai commencé par faire de la place et vendre mes vêtements sur Vinted pour essayer de me faire un budget et ensuite de choper sur ce même site. Malheureusement, j'ai pas reçu tous les produits que j'ai achetés et du coup, je me suis dit qu'on allait commencer déjà avec cet épisode 2 par tester à quel point mon placard est peu responsable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application Clear Fashion, non pas pour trouver des inspirations pour de nouvelles marques, c'est toujours Pénélope, mais pour tester les marques que je porte et ensuite faire une espèce de moyenne des vêtements que... enfin de mes tenues. Donc dans cette vidéo, vous allez voir mes 7 tenues préférées du moment, avec un résultat par marque mais aussi par tenue. Et je peux déjà vous dire que c'est pas tip top. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas une experte en mode responsable. Je fais de mon mieux, je débute, je vais faire des erreurs. Je vous préviens tout de suite, l'épisode prochain est un peu une arnaque. Mais voilà, j'ai envie d'apprendre, de mieux faire, d'y aller petit à petit. Donc j'espère que vous serez indulgents. Donc c'est parti, on commence avec la tenue numéro 1. Donc la première tenue, c'est une tenue d'hiver classique, manteau vintage. Vaut bien un petit 100, non? Il a au moins 40 ans et pas de matière controversée. On l'adore. Les chaussures achetées à New York ne sont pas répertoriées par l'application, mais rien que l'empreinte carbone que j'ai eue à aller les acheter, je leur mets un petit 0. Petit disclaimer, bien évidemment, ces applications sont à prendre à la légère, car leur notation est souvent le fruit d'un manque de communication, qui est aussi un problème, hein, bien évidemment, des marques. En plus de ça, mon interprétation, vous allez le voir, de ces résultats, et elle aussi à prendre à la légère, je dirais même au 10 millionième degré. Merci. Donc, revenons sur ces chaussures Betsy Johnson, marque un peu what the fuck qui n'a pas trop lieu d'être, mais j'adore le peps qu'elles ont. Ensuite, le pantalon Zara, ceinturé, qui n'est pas si mal noté. Vous verrez, je n'ai aucune marque qui a plus de 5 ans de toute façon, mais Zara perd des points sur l'humain, étant donné qu'ils sont impliqués dans le scandale des camps de concentration ouïghours. Ensuite, le pull Polo Ralph Lauren, fabriqué en Chine, 100% cachemire, fil venant d'Italie, donc pas vraiment recommandé, hein, imaginez l'empreinte carbone de ce pull. Et l'application nous affirme que le cachemire est souvent propice au mauvais traitement des élevages de chèvres, donc en plus d'être difficile à préserver, ce pull n'est pas très responsable, donc au placard. En conclusion, sa tenue obtient moyenne de 41%, on y est presque, on est presque au 50%, donc c'est pas mal. Deuxième tenue, on commence par des chaussures, donc les Slimback de Chanel. Marque très mal notée sur l'application, mais quand on creuse, c'est en fait à cause du manque de communication de la marque. Beaucoup de points d'interrogation sur ses engagements. Ensuite, le pantalon, donc c'est un pantalon 8D, imitation cuir. La marque est dans la moyenne, mais le pantalon est chinois. La veste, c'est Topshop, marque très mal notée, notamment grâce à un zéro pointé du point de vue santé et l'absence d'assurance que des contrôles qualité sont faits sur les vêtements. La chemise est en lin, donc une matière peu coûteuse en eau et en énergie, mais la marque Monoprix, elle, est pas forcément très bien notée sur l'application, notamment à cause de son manque d'implication pour préserver l'environnement. La tenue au complet obtient la note de 24 sur 100, donc on n'est pas encore sur une tenue des plus responsables. Ensuite, troisième tenue, commence par le petit pull vintage qui a au moins 25 ans, donc il remontera globalement la moyenne de la tenue. Ensuite, pantalon cargo Zara, fait en Turquie, donc toujours pas très local. Petit haut Another Stories, lui aussi de Turquie, majoritairement en polyester, qui obtient quand même la moyenne sur Clear Fashion lorsqu'il est scanné. Enfin, les baskets Nike, une marque elle aussi impliquée dans les camps ouïghours, une des marques que j'ai envie d'éviter à l'avenir. La tenue obtient donc une moyenne de 47 sur 100, qui est donc la meilleure moyenne de toute cette vidéo, c'est dire. Tenue suivante, on commence par une veste Polo Ralph Lauren en polyester, viscose et élastane, faite aux Philippines malheureusement. Là aussi, l'application demande si l'étiquette du produit comporte des labels, mais rien du tout. Je vais quand même essayer de garder cette pièce assez longtemps pour justifier son achat. Ensuite, petit pull H&M qui a très bien servi, mais bon, c'est une marque qui au final n'est pas si mal notée. Je pense surtout parce qu'elle a accepté de collaborer avec l'application et elle désire plus de transparence. Ensuite, petite jupe Gap. Là aussi, je m'attendais à une plus mauvaise note puisque la marque est notée 37 sur 100. Mais la jupe, elle, en elle-même, est faite à 55% en lin. Donc encore là, une matière plutôt responsable.
Pour assortir, j'ai choisi ces mocassins Unisa, marque non répertoriée sur l'application, mais qui, de par son utilisation du cuir, ne devrait pas avoir une très bonne note. En plus, on trouve peu d'informations sur son site concernant la localisation de la fabrication. La tenue en elle-même obtient la note de 26 sur 100, donc là encore, on peut mieux faire. Ensuite, deux tenues assez similaires, je dois le dire. Tout d'abord, un pull Polo Ralph Lauren en cachemire, donc déjà vu précédemment, pas forcément très responsable comme matière. Ensuite, une chemise 100% coton H&M qui est faite en Indonésie et qui n'a pas d'accréditation. Mon jean, c'est Good America, la marque dans laquelle je me fournis tous mes jeans non répertoriés sur l'application. Et enfin, avec ce look, j'ai mis des baskets Adidas. Adidas qui, là encore, 31 sur 100, c'est pas une très bonne note, mais je m'attendais à pire. La tenue en elle-même obtient la note de 24 sur 100, donc je suis pas très très fière de cette tenue que je mets extrêmement souvent. Et qui, vous allez voir, est un peu la même lors de cette deuxième tenue. Donc on commence par un petit pull Zara, donc on l'a vu, pas forcément une très bonne note. Et c'est un petit pull qui est fait en acrylique, donc là encore pas vraiment de matière naturelle. La même chemise et un pantalon de la même marque, donc Good American, non répertorié sur l'application, mais qui malheureusement fournit tous mes pantalons. Tenue similaire, donc note similaire de 26 sur 100. Je peux aussi là faire beaucoup mieux. Et pour finir, je voulais parler de ma tenue de sport préférée. Je trouve assez difficile de trouver des tenues éthiques responsables pour le sport sans que la marque vous culpabilise et vous terrifie de la prise de poids. Mais bon, commençons par un pantalon Gymshark, pas si mal noté, mais uniquement parce que la marque ne fait aucun produit susceptible d'être en cuir et donc jouit d'une super note sur son engagement animal. Le haut en maille protéine n'est pas répertorié, donc malheureusement pour lui c'est zéro. Et mon petit pull acheté chez Super U, j'ai quand même voulu tester pour rire. En vrai, il a été acheté en vacances parce que j'avais froid et rien de prévu. Donc pas forcément un achat très responsable. Allez, zéro. C'est donc la pire tenue, 17 sur 100. Please, si vous avez des meilleures marques sur ce créneau, dites-le moi un message. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Je poste deux fois par semaine. Le dimanche, c'est la beauté et le mercredi, c'est la mode. Et notamment cette série de J'essaye de mieux choper. Je vous retrouve donc à la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao !